Bienvenue pour la 42e game, si je ne m'abuse. On va jouer un petit Teemo en top lane. Because why not? Ça faisait longtemps, j'avais envie de changer un petit peu. Je joue contre une Fiora. Je suis pas sûr que le match-up soit vraiment favorable pour moi, mais pourquoi pas. On a eu un swap ici. Par contre, on a un Aurélion sur le jungle. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Restons à l'affût. Donc, ils ont un brand support. Un Aurélion Sol jungle et un Smolder mid. Je vais faire demander parce que je connais pas du tout. Après il a l'air de le jouer à appel Smolder. Should be ok, ok. Ouais, j'ai peut-être aidé le fiddle. Je suis le dernier de mon groupe d'élite. Non, je ne connais pas le bu. Je ne sais pas ce que bu veut dire. Donc, on va s'en tenir à ça. Bon, on va regarder un petit peu. Fiora, il faut que je me concentre sur ma lane. Et initialement, ce sera déjà pas mal. Il part avec une comète, mais il part à D au début. Assez étrange. La marque de la Fiora est un endroit qui me correspond plutôt ok, je veux dire. Oh merde. Bon, par contre, j'ai pris comète, donc c'est assez chiant parce qu'il va falloir absolument que je prenne... comment ça s'appelle? What? La portée du truc? J'aurais juré que j'étais pas dedans. Bon là par contre oui, si j'étais dedans, pas de problème. Là on est ok. Bon par contre apparemment... Elle s'en fout complètement apparemment de du blind pour son Q-spell. Donc son Q-spell n'est pas une auto-attaque. Intéressant à savoir. Oh mais je rate tout. Ah ça fait trop longtemps que je n'ai pas joué ce champion. Ça se sent. Oh, ça se sent que ça fait longtemps que je l'ai pas joué. Je suis pas à l'aise du tout avec. Oh non, un point de vie, bon sang. Je suis à chier. Et ça me fait mal. Ça me fait mal d'être à chier. Mais bon, faut accepter. Oh mais c'est pas possible ma foi. Enfin, apparemment si, hein, clairement. Et why not? Bon il a quoi? Il a une épée longue en plus. Et... What, vraiment? Bon, là, t'aurais dû me flasher, par contre, en vrai. Après, j'imagine que ça lui va bien de me laisser comme ça. Que je comprends aussi. J'aurais peut-être pas dû pick Teemo dans Fiora. Mais je pensais pas que son Q-spell avait une élongation aussi longue. Et c'est que Aurélion Sol jungle, ça a l'air de fonctionner. Hein. Il farm. Il est plutôt correct. Il est à 5 creeps de Fiddlestick là. C'est incroyable. Ok, bon, ben elle veut que la lane push vers elle et je la comprends. Oh, please. C'est juste que je préfère que ça hard push plutôt que ça slow push. Soyons honnêtes. Moi, je sais qu'elle n'a plus ça.
Et elle perd beaucoup de points de vie. Mine de rien. Et je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai. Et good job à moi, on va dire. Je sais pas du tout pourquoi t'as fait ça. Ça c'était trollé par contre. J'avais encore mon ignite. Bah je vais. Clairement je vais pas me. Je vais pas me plaindre hein, parce que je sais qu'à un moment elle va me rouler dessus. Donc il faut que je prenne l'avance que je peux prendre. Et si elle me l'offre, clairement, je vais pas râler du tout. J'aimerais juste avoir une plaque potentiellement. Ah merde, ben j'aurais pas une plaque. J'aurais même rien du tout en fait. Bon, j'ai juste back, hein. Ça sert à rien de rester. Elle a quoi? Ouah, elle a 3 épées longues. Bah, typical stuff en fait de Fiora, j'ai envie de dire. Elle va partir sur quoi? Elle va partir sur. J'en ai aucune idée. Il me faudrait bien ça. Je pense. Plus de mobilité, ça va clairement être à mon avantage. Même si j'avoue que la vitesse d'attaque m'aurait fait du bien aussi. Il va manquer 900 gold pour mon prochain... Enfin, il faut 900 gold, c'est ça? Ouais, il faut 900 gold au total pour mon prochain bac au minimum. Moi, comme ça, je le sais. Je crois que j'ai eu l'XP de celui-là. Et... Alors, par contre... Normalement, avec mes bots, je devrais la rattraper. Oh, elle est pas morte. Ah, j'ai pas de chance. J'ai pas de chance, mais ça va, c'est pas encore trop grave. Pas encore trop grave, je dis bien. Bon, je vais quand même en placer un ici, juste pour essayer de pusher un peu plus vite. Et rater tous les creeps, du coup. Ça là, ça ici. Normalement, je devrais pouvoir avoir au moins la plaque. Ok, c'est toujours ça de prix. Elle perd le canon en termes d'XP et de gold. Hop. C'est aussi ça de prix. Il est arrivé, il m'a fait peur, ce petit salopard, là. J'ai repris un petit champignon sur le chemin, on va dire, pour partir. Non, elle est morte, hein, je pense. Pas encore. Ça ne saurait tarder, mais pas encore. Ok, là... Quand même des potions. Et... Oh oui, ça l'a touché. Oh non, j'ai Gridou. Elle a déjà récupéré son Q-spell? Mais elle a 0 CDR. Oh. Elle a 0 CDR, elle récupère déjà son Q-spell. Can't believe it. Bon, j'ai gridé. En vrai, j'aurais juste dû back. Alors, j'aurais dû mieux jouer. Ça, c'était pas mal aussi comme idée. Mieux jouer. C'est vrai que j'essaye d'apprendre ça. Mieux jouer. Oh non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non, mais non, mais non, mais non. Grand et lourd.
Voilà quoi, ok. Maintenant elle a un peu de CDR. Par contre elle a pas mal tanké hein. Faut que je m'écarte suffisamment loin de Fiora pour plus avoir la marque qui me demande de me faire taper. Voilà. Parfait. Je lui dis que je vais arriver. Bon, elle joue pas super bien non plus la Fiora, hein, si on est. Soyons clairement honnêtes. Ils ont pas vraiment besoin de moi. Hein. Très bien. On va juste vite push ça. On va mettre ça ici du coup. Merde, bien évidemment ça va pas. Ah si ça va, ça va proc. Ok. On va se garder ça ici sur le côté. Pourquoi pas. J'ai plus de potions. Je pense qu'il vaudrait mieux que je back en vrai. Ok, bon, moi je lui ai fait des dégâts avant de back. On va dire qu'on est heureux avec ça. À défaut d'autre chose. Ok. What, elle a réussi à mettre l'auto-attaque alors qu'elle était bête? Alors c'était vraiment sur le dernier tick de blind alors? Je sais pas. Attention à ne pas te faire tuer. C'est la dernière chose dont j'ai besoin là actuellement. Juste une auto en plus et je l'avais. Nice! Oh, j'ai serré des fesses. Oh, j'ai ultra serré des fesses. Ah, j'ai cru que j'avais choke. Et en vrai, ça s'est joué vraiment pas grand chose que je choke. Oh. Bon, par contre, ici, je vais quand même pouvoir prendre cette plaque-là et me barrer. Je vais pas grider plus. Je sais pas si là, ça a TP. Mais de toute façon, j'ai vraiment besoin de back à tout prix. Donc je vais partir sur ça, et ensuite je vais directement partir sur ça ici, je pense bien. On est d'accord qu'on peut cumuler les deux items, hein? Bon, oui, tout à fait. Équivalent à 2% de vos PV bonus, une fois que j'aurai ça, qu'est-ce que je fais comme item? En vrai, un petit Morellon Weekend, c'est pas mal sur... sur Timo, puisque ça va proc à chaque fois que le proc de mon poison va... va arriver. Oh oui, oh, ça c'est bien pour moi ça. Ça me permet d'avoir un petit avantage. Ah merde. Encore que si j'arrivais à avoir tous mes creeps, ce serait mieux. Un avantage de mort. Et en vrai ici on va attendre. Hop. On va juste garder ce creep là. Ah merde, je voulais le garder en vie le plus longtemps possible, mais l'avoir quand même. Ici on va... Ah, j'aurais bien voulu m'écarter, mais... Ah non, ça va, c'est bon, je me suis écarté suffisamment pour que la marque de Fiora se reset. Ok, bah bien joué, hein, j'ai envie de dire. Mmh.
Je devrais arrêter de rester en ligne droite. Mais bon. Au moins, j'arrive à lui mettre quelques petits dégâts. C'est toujours ça de prix. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça ici aussi. J'ai encore un champi que je vais utiliser de manière plutôt offensive cette fois-ci. Juste pour essayer d'art push un tout petit peu. C'est difficile de savoir ce que je peux faire en plus. Hein. Pas grand chose, j'ai l'impression. Être aussi loin de ma tourelle, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais... Ok, bon, ça au moins c'était gratuit. Ça fait plaisir. Tout ce qui est gratuit, moi je prends. Bien évidemment. Hein. Ça c'était gratuit aussi. Aurélion seul, très bien. J'essaie d'arriver. Je pense que t'es mort, hein, ouais. Nice. Bon, au moins c'est toujours ça de prix. J'ai plus mon ignite par contre. Et la TP. Donc on va passer par le grand côté. Et maintenant elle a du vol de vie. Donc oui, il va me falloir le Morellomicon, je pense. Et... Et... Normalement, je devrais pouvoir bientôt back. Je vais remettre un petit champi ici. Et oui, tu n'aurais pas dû. Et oui, tu as été bête. Tu as été très bête de gâcher ta parade comme ça et de t'approcher du champi alors que tu l'avais vu. Voilà, là par contre, c'est pas une question d'être bête ou pas, il n'y a rien à faire contre ce champion de ses morts. Les étoiles n'étaient pas en leur faveur. Votre équipe a détruit. Ne vous mettez jamais sur la trajectoire d'une étoile. Qu'est-ce que je peux prendre comme Steph? Voyons voir. Chez le Morello tout court qui serait vraiment bon, je pense qu'on le fera. Ça fait quoi ça? Avec votre ultime, brûlez ça sous ses pieds, ce qui lui inflige. Ouais. Voilà. Après 2300, c'est pas si cher payé, mais tant pis, je vais prendre ça. J'ai assez hésité. Oh non, ne filez pas le Smolder. Ne filez pas ma Fiora. Un allié a été tué. Je suis pas sûr que je suis content de ce résultat. Oh ben ça me va, elle me craint comme la peste. Bon, en même temps je crois que c'est plutôt fidèle de décrire Teemo comme étant la peste. Il me semble en tout cas. Ça me va, fais attention. J'étais fine. Mais il est quand même venu pour m'aider, donc pourquoi pas. C'était wardé ici.
T'as vu en fait. Ah bon, pas grave j'imagine. Ah oui. Bon par contre je sais pas si le flashing était vraiment nécessaire mais... Oula. Ok, bois. Ouais, je pouvais pas faire grand chose d'autre. Ah, il est feed en fait le Smolder, ça le problème. On va prendre ça, et qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre d'autre là-dessus? Mais est-ce qu'il a du vol de ville Smolder? Non. Je sais pas ce qu'on peut jouer d'autre. Bienvenue dans, sur ta lane. Enfin, le Ezreal n'a pas assez de dégâts. Je suis pas sûr. Après, le truc, c'est avec les champis, ouais. Ça réduira sa résistance magique, mais bon. Allez, go. Donc, le jour où personne ne reviendra d'une guerre, c'est qu'elle aura enfin été bien faite. Il a raison, notre petit Imo. Est-ce qu'il a du vol de vie en vrai? M'a l'air, hein. Donc ici, on supplée notre Malzar pour prendre le farm mid. On dit bien qu'il n'y a absolument personne ici. Chase. Alors, on va aller la chercher quand même. De toute façon, j'étais mort. Quoi qu'il arrive. Donc, autant lui mettre des dégâts. Voilà. Pour aller choper l'assist. C'est la meilleure chose à faire, globalement. Nice. Bien joué de la hache. Good job. Ok, donc ça, ça fait plaisir. On va peut-être plutôt partir sur 35 de puissance, 40 de puissance. Allez, on va partir là-dessus. On a deux dragons, ils en ont un. Je suis en 5-4-4. Bon, c'est pas foufou en termes de score, mais ma Fiora est quand même bien gérée. Elle a moins de farm que moi. Elle a un niveau de moins que moi, alors qu'elle a TP. En fait, la TP, c'est soit elle prend des niveaux d'avance, soit elle perd la lane, globalement. On joue contre un Ignite. Le Aurélion Sol, pour le moment, il n'est pas encore à son max, mais il a quand même un niveau d'avance sur le Fiddle. Je sais pas pourquoi elle met toujours... Ah, par contre, j'ai raté mon Q. Bon. Oh non! J'ai pensé ça allait aller mieux que ça. Ça me va que tu essayes de proxy, pourquoi pas. Non, oui. Bon, elle veut me proxy, pas de souci. On a juste à faire le... l'inverse. Ah. Ça c'est bon. La Fiora est là, faites attention. Un allié a été tué. Non. Why so incompetent? Voilà. Ok, bon, au moins ils ont reset un petit peu ces golds. C'est toujours ça de prix, j'imagine.
Oh, ça m'a vraiment touché ça. What? What? Ok, je crois que j'ai vu quelque chose que... J'ai eu l'impression de voir comme une hydre, mais à mon avis... C'est peut-être pas le cas. C'est même probablement pas du tout le cas. Bon. Alors Fiora TP top. Ok, normalement vous pouvez vous le faire. Est-ce que notre team a l'avantage? 17-22 normalement, ouais. Hein. Bah après bon, on a Malzar qui est mort. On a Malzouille, la fripouille. Merde. Bon, en vrai de vrai, il y a peut-être moyen. J'ai raté ma ward. Oh, oh c'est infâme, elle a un skill. Après j'aurais pas dû l'approcher à ce moment là mais bon. GG nice game, de quoi il parle? C'est parce que t'as ça que t'as gagné un fic. Je sais pas où elle a été chercher sa mémoire, mais si je me rappelle bien, c'est le rayon sol qui m'a gank, puis je me suis refait regank par le rayon sol. Puis effectivement, il y a eu un moment où... Ok, donc mon champignon était bien placé. Alors... Ouais, ça j'ai compris. Désolé, mais ma voix commence à partir un peu en cacahuète. Je sais pas pourquoi elle essaye de faire du proxy avec Fura, par contre, en vrai de vrai. C'est pas une singed. Oh, mon gros canon. Et l'autre là qui devient gros, on sait comment ça va bien faire. Ça commence à bien faire toute cette histoire. Le smolder qui va nous burn. Le Aurélion qui va nous finir. La Miss Fortune qui, avec un ulti, va bien nous amoindrir. Histoire que le reste de la team fasse son travail. Ok, bon. Là, au moins, on est plutôt pas mal. Ok, le rayon est ici. Bon, mes champignons par contre sont un peu hasardeux ici, mais apparemment ils touchent donc ma foi. Oh, bah je suis mort. Hein. Ah, même pas. Oh, ouais, j'ai eu peur que ça me touche. Oh non. Il va falloir que je prenne le Morello, hein. J'ai pas le choix. Oh, Rayon Sol, c'est tellement stupide comme champion.
C'est tellement stupide. Pour qu'est-ce qu'ils ont fait pour que la game, enfin pour que le jeu soit autant cassé sur cette saison là. Juste défendre le d'un short, ce serait déjà pas mal. Non, oh, si close. Yet so far away. Et le pire, c'est qu'on est slow par ça, quoi. Waouh, les dégâts que je crie. Nice. What? Ah oui, une auto-attaque de MF, full létalité, oui. Effectivement, j'oubliais. J'oubliais la vraisemblance de ce champion. Bon. Après, on a des champions qui sont assez dégoûtants aussi, hein. Malzahar. Malzahar, on a quoi d'autre qui est dégoûtant? Bah, c'est tout, hein. Ils ont Aurélien au sol qui est dégoûtant. Miss Fortune, Brand. Le Brand, c'est surtout la nouvelle méthode de le jouer. Mais généralement, c'est plutôt Jungle qui est dégoûtant. Là, ça va. Fiora, en vrai, est ok tiers. C'est pas dégoûtant comme champion, mais ça peut dégoûter, par contre. Bon. Par contre, cette game-là, je vois pas comment on la gagne. Je ne vois pas du tout comment on la gagne. Ok. Merci à toi, en tout cas. Ok, au moins, on l'a eu. Mais faites-moi plaisir, quand même, la Fiora, vous allez me dire que vous l'avez... Ouais, aussi. Et elle a rien pris. Donc on a un Ashore et un ennemi en moins. J'ai mon flash. On va essayer de mettre un petit peu de champi là où je peux. Nice. What? What? Dommage. Dommage, dommage, dommage. Après, il est bien fidèle aussi. Hein. Je sais pas comment on va la gagner cette game. Peut-être le quatrième Drake. Le truc, c'est que je suis déjà niveau 18. Je peux pas faire grand chose de plus, quoi. Il me faudrait peut-être un item un petit peu tanky, mais quoi. Alors, est-ce qu'ils prennent de la résistance magique? Pas tant. Hein. Ouais, donc cet item-là pourrait être pas mal, ouais. C'est cool. Tout le monde ne reviendra pas. Aïe aïe aïe. Bon. En vrai, je leur dis que j'y vais, mais bon, je crois pas que la Fiora sans rien là comme ça. Oh non! Qu'est-ce que tu fais? Okay. On met beaucoup sur elle, c'est ça le problème aussi.
Let's go prendre ça. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va un tout petit peu warder à ma manière. On va mettre ça ici, on va mettre ça là. On essaie de mettre des champis sur leur point de passage. Oh non, mais tu mets ton ulti n'importe où et n'importe comment là. Ok. Elle a déjà récupéré son. Son manteau de la nuit. Waouh. Un peu abusé quand même. Hein. Ça, c'est main de tir. C'est un peu abusé. On va quand même aller mettre ça. Alors on a 40. Ouais, on a 1 minute 40. Avant que le dragon ne réapparaisse. Mais il y a le Nashor dans 40 secondes. Bon. Bon, 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 bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre cet item là, pourquoi pas. Ok. Alors, nice. Mes champis les ont pas mal dérangés. Ça c'est cool. On va en remettre là où il faut. Parfait. Alors on va mettre ça ici. What? Ça a pas proc? Ok. Bon, je vais essayer. C'est incroyable quoi, avec tous les dégâts que je mets, rien ne fonctionne quoi. Et Fiora qui fait juste du speed pushing, hein, ça fonctionne donc pourquoi s'arrêter? Pourquoi s'arrêter? Ok bon, d'abord prendre ça du coup. Ok, c'est moi qui l'ai eu. Ouh, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Bon, on est à l'âme des montagnes. Je sais pas exactement ce à quoi ça va nous aider, mais c'est toujours ça de prix. Un chou, oui, ça a touché. Nice. Nice. Bien, bien. J'aime ce que je vois. Alors j'aurais préféré que tu le one-shot et que la hache survive. Mais j'aime quand même ce que je vois non less. Ouf, ouais bah je réapparais dans 30 secondes les gars. Faites vite le Nashor et puis voilà. Nice. En espérant qu'on perde pas une tourelle. On va perdre une tourelle. Oh, on va peut-être même en perdre deux. Ah quoi? Ah non ça va. Ouh, on a même pas perdu une tourelle. Nice. Nice, 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 nice. Il n'y a plus d'innocents par ici. Ok. On se fourmille. Alors, faisons ça ici par exemple. Alors, rejouons là, relativement intelligente.
Ils vont sûrement essayer de venir par là. En vrai, j'aurais bien aimé avoir un rang. Un rang d'un. Comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Ah, c'est honteux. J'ai vraiment oublié le nom. Le Runan, voilà. J'aurais bien aimé un petit Runan, là, je dois avouer. Bien. Allez, j'arrive. J'arrive, t'inquiète. Bon. En gros, ils vont juste nous avoir comme ça en fait. Un ou deux autres pochants. C'est triste quand même, hein. Ok, on va en mettre un ici. On va mettre ça ici. On va en mettre un là. On va en mettre un là ici. On va mettre ça ici, pourquoi pas. What? Comment ça se fait qu'il a pu bouger? The fuck? What the fuck? Comment c'est possible? Là franchement j'avoue je comprends pas. Bon on va aller chercher ça. Je ne suis plus un enfant, même si ça ne se voit pas. Là on pose la question au cas où. Ok. Nice. Ils ont des creeps normaux maintenant, ça fait plaisir. Donc on a récupéré notre inhibiteur. Bon, par contre, je sais plus quoi faire moi de tout cet argent. Je suis full stuff. 1 minute 22, je pense qu'on va préparer le terrain petit à petit. On va mettre ça là. On va en mettre un ici. On va en mettre un là. On va en mettre un ici. On va lui faire péter ça. On va mettre ça ici sur le côté. Alors... Et pas mal. Ça me va. Faisons ça ici. Tu vas faire ça. Là. Pas besoin de plus. Allez, go go. Alors l'engager au bout d'un moment. Qu'est-ce qu'il nous... Ah, quoi que si, ça va fonctionner. Nice. Aïe, aïe. Bon, bah, très bien. Hein. Enfin, si ça fonctionne. Donc, c'est quoi? C'est un 4 pour... Non, un 3 pour 1, parce que la Fiora était déjà morte. Magnifique. Ah, j'avoue que je manque quand même un peu de DPS, hein. On va pas se mentir. Mais je l'ai fait chier quelque chose de pas possible, et ça, ça n'a pas de prix. Alors on va se mettre là. C'est ici. Je leur dis que j'y vais. Elle a quoi comme stuff? Ouais. Va quand même falloir que je fasse gaffe. Mais la Fiora elle joue vraiment pas bien. Enfin,
Elle peut, donc elle est chiante, mais on peut pas dire qu'elle joue bien, quoi. Le truc, c'est que ce qu'ils comprennent pas, c'est que si jamais je prends pas la lane. Oups. Ouais, j'y vais, j'y vais. Fidèle, t'aurais dû rester bon avec eux, tant pis, c'est pas grave. Autant aller pusher du coup. C'est bon. Ah bah oui, c'est vrai qu'on a l'âme du dragon. Faut absolument qu'on prenne le bleu pour qu'on ait un bleu sur tout le monde. Ça c'est wonderful. Allez, on y va. Ok, elle n'a touché personne ici, donc ça c'est plutôt pas mal. Dommage que ça aille pas péter son... Les voiles de la nuit, c'est ça? Par contre, je suis rapide, hein. Je suis rapide comme l'éclair. Ouh, ça c'est... Ouah, ça c'est vraiment un champion de con. Alors... That champ, bien évidemment. Et je joue Teemo, rendez-vous compte. Après, Teemo, c'est pas abusé. Enfin, pas trop. Ça dépend contre quoi. C'est chiant, par contre. Très chiant. Mais c'est pas abusé. On va poursuivre un petit peu. On a le Nashor, donc ça devrait le faire. Oh, ok, ils sont tous là. Sauf la Miss Fortune. Et le Smolder. Top. You won't get me. I run so fast. I run so fast. Ok, bon ça c'est cool. Par contre, prenez-le tant que vous y êtes. Voilà, très bien. Ok. Voilà, parfait. Alors, on va juste mettre quelques champis en ligne sécuritaire. Ils veulent qu'on reporte Fiora. Ok. Et j'imagine qu'ils ont leur raison. Après, c'est vrai qu'elle jouait pas forcément bien, mais elle faisait le speed push, donc elle nous emmerdait bien. Mais bon, j'imagine que s'ils veulent la report, peut-être qu'elle a été toxique dans le chat, j'en sais rien. On va leur faire confiance. Eh ben, une win avec Teemo, ça faisait longtemps, mes aïeux. H a bien joué, en fait. Le Ezreal aussi, mais le H a bien joué. Elle a mis des bons airs au bon moment. Et ça, c'est quand même vachement important. Alors, en termes de dégâts, ben voilà. Là, en termes de dégâts, je suis bien, là. Plutôt pas mal revenu. Bon, on voit les dernières games. Là, au moins, on justifie un petit peu son champion. Bon. Du coup, on en est où, là? 26 points, ça fait 56 points de ligue. J'avais gagné la game d'avant? Je jouais qui, déjà? Je jouais Garen? Je m'en rappelle plus. Est-ce que j'avais gagné la game d'avant? C'est vrai que des parties. Ah ouais, Day. J'avais gagné, en effet.
Par contre, j'avais perdu ça avec Kayle, c'est vrai. Bon, bah, ça va encore, ma foi. Bon, ben, on se retrouve prochainement pour une autre game de League of Legends, bien évidemment. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.